retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la robe Jane et c'est dans mon bureau que je vous accueille aujourd'hui. Le patron de Jane, c'est un patron génial parce qu'en fait il vous offre tellement mais tellement de possibilités que vous allez vous éclater avec ce patron. Alors je sais que je dis ça à chaque fois, ce patron offre plein de possibilités, ce patron offre plein de possibilités, mais là il y en a encore plus que d'habitude. De nous-mêmes, on vous offre deux versions, donc la version A sans col et sans manches et la version B que je porte là tout de suite avec un col, avec une collerette et des manches. Mais vous pouvez très bien imaginer switcher les versions, vous pouvez par exemple coudre la version A avec des manches ou alors le col sans la collerette si vous le souhaitez, donc je vous dis vraiment vous avez plein de possibilités. Et en plus de ça, on a prévu une option doublure, donc si vous le souhaitez, vous pouvez doubler chacune de vos versions, donc version A, version B, version croisée. Mais ce qu'il y a de vraiment bien avec ça, c'est que donc non seulement vous pourrez utiliser tous les tissus que vous souhaitez, y compris du blanc et du transparent, mais vous allez pouvoir aussi beaucoup jouer avec les dentelles, les voiles de mousseline et tous ces tissus-là qui sont très transparents et qui vont apporter un peu plus quelque chose d'autre en fait à cette robe. Comme à chaque fois, les liens pour retrouver le patron et les différentes techniques vers lesquelles je vous renvoie sont en barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez cliquer juste en dessous, la dérouler, vous aurez tous les liens directs. Et vous aurez aussi les liens de tous les tissus que j'ai utilisés dans cette vidéo aussi. La vidéo est assez longue, mais j'ai essayé d'apporter des petits compléments et des petits plus par rapport au livret de couture. Donc vous retrouvez toute la technique et des petits suppléments. J'espère que c'est une formule qui va vous plaire. C'est la première fois que je le fais, il me semble. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est sympa ou si au contraire il y a trop d'informations et que ça vous embrouille. Donc je suis très à l'écoute, je lirai tous vos commentaires, donc dites-moi ça. Et si vous avez aimé, ben, le petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir. Et maintenant, on va attaquer le tutoriel. Et on commence par la couture des pinces poitrine et des pinces taille. Donc si vous avez besoin, je vous renvoie vers le tuto technique coudre des pinces. Le lien sera en barre d'infos de la vidéo. Et on enchaîne avec la couture des plis plats de jupe. Donc la jupe est ornée de crans comme ceci sur le dessus. Donc deux crans représentent un pli. Et l'idée c'est de venir orienter les plis de votre jupe vers le milieu devant. Donc je vais vous montrer comment on forme un pli plat, il y a plusieurs techniques mais là je vais vous en présenter deux. Donc ici je prends un cran extérieur, je viens former un pli le long de ce cran et je viens rabattre ce pli contre le cran le plus vers l'intérieur. Donc cette technique elle est bien pour comprendre l'histoire du sens des plis en fait. Là on comprend bien que je suis venue former mon pli vers le milieu devant. Mais elle est peut-être un petit peu moins précise que la suivante. Donc la suivante, elle consiste à faire coïncider l'écran entre endroit contre endroit. Puis on met une épingle dans la continuité de ce cran. Et c'est en fait le côté vers lequel je vais venir rabattre le surplus de là-dessous qui va venir déterminer le sens de mon pli. Donc là, comme il est de ce côté-ci, mon pli est orienté vers le milieu devant. Mais si je rabats mon petit surplus de l'autre côté, j'ai un pli qui cette fois est orienté vers l'extérieur. Donc ici, il est important d'épingler ce surplus afin qu'il ne bouge pas et que notre pli reste bien en place. Je fais ensuite la même chose au niveau de l'autre côté. Et puis je vais aller maintenir tout ça en place par une piqûre de maintien à quelques millimètres du bord, on va dire 3 à 5 mm du bord. Donc pour la jupe d'eau, même chose, on oriente les plis vers le milieu d'eau. Et le milieu d'eau, vous le reconnaissez parce que c'est là qu'il y a le cran de zip. Ensuite, on va aller former le devant. Donc là, je vais aller vite puisqu'il n'y a rien de particulier. On épingle endroit contre endroit le devant avec la jupe devant. On coud, on surfile le surplus de couture et on le couche au fer vers le haut. Et puis ensuite, on va aller former le dos. Donc on n'oublie pas que le milieu dos donc, est en ligne droite, même si là ça ne se voit pas avec le tissu qui bouge. Mais vous reconnaissez le milieu dos par le fait qu'il y ait un cran de zip sur la jupe et aussi un cran de zip sur la pièce dos. Donc on épingle là aussi endroit contre endroit. On coud, on surfile le surplus de couture et on couche ici aussi le surplus au fer vers le haut. Ensuite, on va aller surfiler tout le milieu dos. Et là ici, pour m'aider par la suite, je vais venir bien marquer un repère à la craie au niveau de ces crans de zip, puisqu'une fois surfilé, on voit beaucoup moins l'écran. Puis, on va venir épingler endroit contre endroit nos deux jupes dos entre elles, en faisant bien coïncider l'écran de fin de zip. Et puis l'idée, ça va être d'aller coudre en partant d'en bas et en remontant jusqu'au niveau du cran de fin de zip où on va venir faire un point d'arrêt bien solide.
Ensuite, on va ouvrir la couture au fer à repasser et ça va nous donner ceci. Maintenant, si vous avez décidé de faire une robe doublée, il va falloir répéter toutes ces opérations-ci dans votre tissu de doublure. Donc vous formez tout un devant, mais aussi tout le dos. Et maintenant, on va aller coudre le zip invisible dans notre tissu principal. Le haut du zip doit arriver au niveau de ce cran-ci, donc en fait c'est la partie en plastique de votre zip invisible qui doit arriver au niveau de ce cran. Et puis pour le côté, vous vous mettez simplement bord à bord. Puis on va aller épingler sur tout le long et coudre notre zip. Donc si vous avez besoin, il y a tout un tuto technique qui parle de la pose du zip invisible. Je vous invite à aller le regarder pour apprendre cette technique si vous en avez besoin. Une fois que le zip invisible est cousu, ça vous donne ceci. Maintenant, on va aller assembler le dos, mais juste avant, on va venir réaliser un ourlet sur la pièce numéro 2. Donc là, j'ai l'envers de la pièce numéro 2 face à moi. Je mesure 2 cm, je trace une ligne. Je replie le tissu une première fois jusqu'à arriver contre ma ligne et je marque le pli au fer. Puis je vais replier le tissu une deuxième fois sur lui-même et là aussi marquer le pli au fer à repasser. Donc là c'est ce que j'ai fait, je rajoute quelques épingles pour que le tissu tienne bien en place. Et là en bas vous allez vous rendre compte que vous allez avoir du tissu qui dépasse, mais pas de panique. C'est simplement les valeurs de couture de l'ourlet, il vous suffit de venir recouper tout ce qui dépasse. Maintenant on va aller coudre donc notre ourlet à la machine. Et la suite diffère selon le cas où vous avez une doublure ou non. Donc on va commencer par le cas sans doublure. On vient épingler endroit contre endroit notre pièce numéro 2 avec le reste du dos. Et ce qu'il est important de faire ici, c'est de garder le zip bien rabattu. Donc on se met vraiment bien bord à bord et on épingle sur tout le long. Ensuite, on ira coudre à la machine à 1,5 cm du bord. Puis on va aller surfiler le surplus de couture et aller coucher ce surplus de couture au fer à repasser vers le bas. Et puis ensuite, donc là on imagine que c'est surfilé, on va venir faire une surpiqûre afin de maintenir ce surplus définitivement en place. Mais on veille bien avant d'aller surpiquer à soigner les bords du zip ici. Si besoin, vous pouvez même faire quelques petites coutures à la main pour bien maintenir ce surplus en place. Mais normalement, la surpiqûre ici à la largeur de votre pied presseur ou à 1 cm de votre couture précédente devrait suffire. Et puis maintenant, on va voir le cas avec doublure. Donc dans ce cas-ci, on vient déplier le zip au contraire. Puis on va épingler notre pièce numéro 2, donc là aussi endroit contre endroit, mais sans épingler le zip. Donc on fait en fait comme tout à l'heure, on arrive au même moment que tout à l'heure, sauf qu'on a bien pensé avant à déplier le zip. Donc on va mettre quelques épingles de maintien. Et puis on va épingler par-dessus la doublure endroit face à nous. Donc la doublure, quant à elle, elle est épinglée depuis ce côté-ci, donc où vous avez des crans pour vous repérer, jusqu'au bout, donc on va vraiment tout au bord sur le zip. Ensuite, on va aller coudre, mais pas n'importe où. On va commencer à coudre à 1,5 cm du bord côté zip et on va terminer notre couture dans le prolongement du cran ici. On coud à 1,5 cm du bord et donc d'un petit repère à l'autre. Une fois que c'est fait, vous pouvez éventuellement surfiler le surplus de couture et on va aller soigner les finitions au bord du zip. Donc ici, on va aller coudre le long des dents de votre zip, sur tout le long ici. Donc on va commencer 2 mm au-dessus de notre couture précédente et on va coudre avec le pied spécial poste de fermeture avec lisière sur tout le long, quasiment jusqu'en bas, aller jusque là où vous pouvez en fait. Ensuite, on va recouper le surplus de couture ici au niveau des coins. Et une fois que c'est dégarni, on va venir retourner tout cela. Ensuite, on va aller donner un petit coup de fer à repasser pour bien définir tout ça. Et votre doublure est posée avec votre zip invisible.
Donc là, je dois vous expliquer quelques petites choses concernant les doublures. Donc la pose de la doublure se fait différemment en fonction de l'objectif visé. Dans le cas de Jane, on a imaginé une doublure parce qu'on se disait que vous pourriez coudre cette robe avec le tissu bleu qui serait complètement transparent comme une dentelle ou un voile de mousseline. Et donc dans ce cas-ci, il était inconcevable de laisser le bas du zip pendre et donc être visible à l'extérieur. Donc on vous propose ici de le remonter et de venir le cacher contre votre peau en fait entre vous et la doublure. Et donc dans cette logique de tissu bleu là qui serait complètement très très transparent, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un minimum de surplus de couture visible sur la doublure et qu'ils soient tous contre vous. Mais si par exemple on avait cousu une doublure de confort, en aucun cas on aurait mis des surplus de couture contre vous et en aucun cas vous auriez eu le bas du zip contre votre peau. Donc voilà, la pose de la doublure va vraiment différer selon les objectifs que vous vouliez lui faire atteindre. Ensuite, si vous regardez bien, sur le bas ici du zip, vous avez quelques plis. Donc ils ne sont pas visibles sur l'endroit, hein. Sachez que quand vous porterez votre robe, ça ne se verra pas. Mais si vous voulez qu'il n'existe pas, ou en tout cas qu'il soit très très atténué, lorsque vous cousez votre doublure, quand vous arrivez vers le bas, il va falloir coudre en s'écartant des dents du zip pour aller vers l'extérieur. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur cette robe-ci. Et donc on voit effectivement que la couture commence à s'écarter plus on se rapproche du bas. Et donc en faisant ça, je minimise au maximum les plis qui sont formés sur le bas du zip à cause de la doublure. Donc c'est des petites améliorations que je vous propose ici. Si vous le faites pas, ça chamboule pas non plus la couture du vêtement. Donc je ferme cette petite parenthèse sur les doublures et on enchaîne avec la suite qui est la même que vous ayez ou non une doublure sur votre robe Jane. Donc on va venir épingler endroit contre endroit le devant et le dos au niveau des épaules. Comme d'habitude, on coud, on surfile le surplus de couture et on le couche au fer vers le dos. Et puis on va aller coudre les côtés du vêtement. Donc là, si vous avez une doublure, ne vous en préoccupez surtout pas. Laissez-la de côté et ne cousez pas dessus. Pour ma part ici, pour être vraiment certaine que je n'épingle pas la doublure, mais que surtout je ne vais pas aller coudre dessus tout à l'heure, j'épingle la doublure vers l'intérieur du vêtement juste pour qu'elle tienne bien en place et qu'elle me dégage suffisamment d'espace pour pouvoir aller coudre. Donc on coud sur tout le côté, on surfile le surplus de couture et on va le coucher au fer à repasser. Si vous avez une doublure, vous allez là aussi devoir aller coudre les côtés de votre doublure. Donc on s'aide d'écran, on épingle endroit contre endroit le devant et le dos là aussi. Et en épinglant, vous allez vous rendre compte que la doublure devant est un petit peu plus grande que la doublure dos. Sachez que c'est normal. Et là aussi, si vous remarquez, je suis en train d'éviter le tissu bleu. Donc quand on coud les côtés de la doublure, on ne coud vraiment que les tissus de la doublure et on n'attrape pas le tissu bleu. Donc on va aller coudre à la machine sur tout le long à 1 cm du bord, on surfile le surplus de couture et ce jusque tout en haut, donc même que sur la partie du devant qui dépasse. On couche le surplus au fer à repasser et on attaque la suite. Donc la suite, c'est surfiler les épaules de la doublure et puis ensuite aller maintenir la doublure au vêtement par l'encolure devant et l'emmanchure devant aussi. Donc là je suis en train d'épingler bord à bord et endroit contre endroit l'emmanchure devant de la doublure avec celle du vêtement. Puis je vais aller réaliser une piqûre de maintien à quelques millimètres du bord à la machine. Et de la même façon, je maintiens ma doublure à l'encolure devant. Donc tout se pose tout seul, vous allez voir, c'est très facile. Il suffit juste d'aller faire nos petites piqûres de maintien pour que la doublure fasse définitivement qu'un avec le vêtement. Et à partir de maintenant, on ne va plus du tout s'occuper des cas avec ou sans doublure. Toute la suite est pareille pour tout le monde. Pour la version A, vous avez quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à poser un biais au niveau des emmanchures. On a fait un tuto technique à ce sujet si besoin. Et on pose aussi un biais au niveau de l'encolure. Pensez simplement à bien soigner les bords extérieurs du biais à ce moment-là. D'ailleurs, je vais profiter de la vidéo et de tous ses intérêts pour vous montrer quelque chose de différent au niveau de la finition du bord du biais.
Donc au lieu de replier le biais sur lui-même comme cela se fait traditionnellement, on vous propose ici de venir replier le biais le long du tissu en fait, donc le long de la partie en V, puis d'épingler. Ensuite on va venir recouper l'excédent de biais qui dépasse. Et puis on va aller coudre notre biais absolument normalement, donc là la technique ne change pas. Ce qu'il y a, c'est juste qu'à la fin, lorsque vous aurez tout rabattu, vous allez avoir votre biais qui vient se terminer en pointe le long du tissu ici. Alors que si vous aviez replié le biais sur lui-même, il aurait terminé sa course juste avant au niveau de l'ourlet. C'est fini pour la version A, on va maintenant passer à la version B, donc on va commencer par coudre la collerette. Donc pour ça on épingle endroit contre endroit nos deux collerettes entre elles et on va les coudre le long de ces trois côtés-ci. Ensuite on vient recouper le surplus de couture de moitié ou un peu plus si vous le pouvez. Puis on retourne. On repasse et puis on va aller former des plis comme on l'a fait sur la jupe. Donc on vient faire coïncider un cran comme ceci sur un cran comme cela. Puis ensuite on prend celui d'après qu'on fait coïncider au niveau de l'autre cran et puis l'autre cran, etc., etc. Donc c'est parti, vous pouvez ici utiliser n'importe laquelle des deux techniques que je vous ai présentées un petit peu plus tôt, au tout début du tuto, lorsqu'on a formé les plis de jupe. Ici, c'est un travail assez minutieux, donc il faut vraiment prendre le temps de tout plier proprement, petit à petit, et de bien faire coïncider chaque cran. Une fois qu'on a tout épinglé, ça nous donne cela, et on va maintenant pouvoir laisser notre collerette de côté pour passer au pli des manches. Pour les plis de bas de manche, c'est quasiment la même chose. On va simplement venir coudre sur le long côté qui est ici. Cette fois-ci, on ne coupe pas le long des petits côtés, mais c'est la seule différence. Ensuite, on recoupe le surplus de couture, on retourne, on repasse et on forme absolument tous les plis. Maintenant, on va épingler nos plis à notre manche. Donc, on épingle tout ça endroit contre endroit au niveau du bas de la manche. Et ici, il est très important de réépingler chaque pli à la manche. Donc, ou bien vous réépinglez chaque pli, ou bien vous allez bâtir vos plis de bas de manche avant d'aller les coudre à la machine. Parce que si vous ne le faites pas et que vous avez un petit peu la flemme, on va dire, si vous mettez seulement, on va dire, 5-6 épingles, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, la pression du pied presseur pousse chaque pli et va vous emmener vers la sortie, j'allais dire. Mais c'est un peu ça, ça vous emmène vers l'extérieur de votre manche. Donc je vais zoomer, mais ici au bout, normalement j'aurais dû finir comme ceci, c'est-à-dire terminer sur un pli, mais on ne veut pas ça, sinon on a trop d'épaisseur pour la suite. Donc quand j'ai vu que j'arrivais sur la fin ici sur un pli, j'ai simplement enlevé mon épingle, détendu mon tissu, donc j'ai défait le dernier pli tout simplement, et j'ai terminé ma couture à plat sur le bout. En ce qui concerne l'excédent, il nous suffit simplement de le couper. Mais donc, pour éviter ça, il vous faut épingler correctement, mettre beaucoup d'épingles ou bien bâtir avant d'aller coudre. Bref, une fois qu'on a fait tout ça, on surfile le surplus de couture et on vient le rabattre vers l'envers au fer à repasser. Après ça, on va aller former et coudre notre manche. Donc on épingle notre manche endroit contre endroit comme ceci sur tout le long. Et là, c'est comme d'habitude, on coud, on surfile, on couche le surplus de couture au fer, vers le dos ou le devant, comme vous voulez. Et puis, on va aller épingler et coudre notre manche au vêtement. Comme on est sur du niveau 3, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous mettrai le lien vers d'autres tutos qui le montrent si besoin. Maintenant, on va aller épingler notre collerette à un décol. Donc, on prend un décol, on repère l'écran qui se situe ici au niveau du haut de col. Et on va venir épingler notre collerette à ce niveau-ci, en fait, entre ces deux crans. Donc au début, vous pouvez avoir l'impression que votre collerette est trop grande, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, normalement, ce n'est pas le cas si vous avez bien tout plié. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien resserrer tous les plis qui ont tendance à se détendre un petit peu. Et donc là encore, comme pour la manche, il faut vraiment beaucoup épingler. Pour ma part, je réépingle chacun des plis au col afin d'être sûr qu'il ne bouge pas lorsque j'irai le coudre tout à l'heure à la machine. Mais vous pouvez aussi bâtir si vous le souhaitez avant d'aller coudre. Donc on met tout ça bien proprement, on vient mettre par-dessus le deuxième col qu'on épingle là aussi sur tout le tour. Et puis on va aller coudre
entre les crans qui sont là. Donc on va commencer notre couture ici, au niveau de ce cran-ci. On coud sur tout le tour et on vient s'arrêter au niveau de ce cran-là. Donc là j'ai cousu et lorsque je suis passée sur les plis, comme il y a quand même pas mal d'épaisseur, j'ai un petit peu agrandi la longueur de mon point. Je vous conseille de faire la même chose pour que votre couture se passe pour le mieux. Ensuite on vient dégarnir le surplus de couture au niveau des petits côtés et des coins. On peut aussi venir cranter ici le surplus de couture si on le souhaite. Et on va maintenant aller fixer le col à l'encolure. Donc il faut savoir que le cran qui est là coïncide avec le bord extérieur, le bord dos du col. Le deuxième cran, lui, doit coïncider avec la couture d'épaule. Donc on y va, on prend un seul des cols par contre, on n'épingle pas les deux. On épingle un des cols, donc endroit contre endroit avec l'encolure, tout en faisant coïncider nos crans avec les zones qu'on a indiquées juste avant. Et là, on va arriver à un moment clé, on va aller coudre entre nos deux crans, mais on ne va pas aller coudre n'importe comment. Il est très très important de commencer à coudre ici 3 mm après la couture précédente. On coud sur tout le long et on s'arrête 3 mm avant au niveau de l'autre côté. C'est vraiment ça qui va vous permettre par la suite de retourner proprement. Et d'ailleurs, plus tard, lorsque vous retournerez, si vous avez des petits plis à ce niveau-là, c'est simplement que vous aurez cousu un petit peu trop loin et qu'il faudra découdre un petit peu votre couture. On va maintenant aller coucher le surplus de couture au fer à repasser vers l'intérieur du col. Ensuite, on va aller cranter ce surplus de couture. Et puis, on va aller retourner tout notre col. Ensuite, on va donner un petit coup de fer à repasser. Et dernière étape du col, on va venir le fermer. Pour le fermer, on replie notre tissu du col vers l'envers sur environ 8 mm. Ça, en fait, ça permet de cacher la couture que l'on vient de réaliser et aussi de fermer le col à la fois. Donc on replie comme ceci, on épingle et on fait ça sur tout le long. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de replier comme ça simplement à l'œil en recachant la couture, pas de souci. Vous pouvez le faire avec une règle et de la craie. Il vous suffit de mesurer 8 mm en partant du bas du col, de vous faire plein de petits repères et puis d'aller replier le tissu vers l'envers le long de ces repères. Comme ça vous êtes sûr d'être bien bien précis ou précise et vous pouvez épingler proprement. Après ça, vous pouvez aller fermer votre col en réalisant une couture à la main, par exemple une couture invisible, ou alors en faisant une couture à la machine dans le sillon. Donc je le rappelle, le sillon, c'est la délimitation entre le col et le reste du vêtement. C'est une couture qui est discrète et qui permet à la fois de fermer le col et surtout de fermer le col. Donc pour ma part, je vais aller faire une piqûre à la machine et donc pour me faciliter la couture, je viens replacer les épingles avec l'endroit face à moi. Donc comme on coud avec l'endroit face à nous pour coudre dans le sillon, je trouve que c'est quand même plus facile d'avoir les épingles qui sont accessibles. C'est pourquoi je viens les repositionner. Au moment d'aller coudre, vous pouvez aussi profiter pour réaliser une surpiqûre sur tout le tour du col en faisant aussi attention à un petit peu agrandir le point lorsque vous passez sur tous les plis puisque vous avez pas mal d'épaisseur. Et voilà, vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à coudre les ourlets de votre robe et à choisir et coudre vos boutons et vos boutonnières sur votre col. Donc, c'est le moment où j'ai envie de dire tadam ! Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que Jane est un patron qui vous plaît. Et ce tuto, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura aidé, surtout dans la couture de votre vêtement. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages en commentaire. Ça fait toujours très très plaisir. Et puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ! Mouah !